Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academia de Strongest Hero. Une vidéo qui sera très rapide, qui durera environ 2-3 minutes. C'est juste pour vous tenir au courant des informations concernant All Might. Tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que je pense que je me suis un petit peu précipité suite à la vidéo que j'ai tournée hier. Du coup, bien sûr, All Might revient demain. Ça a été confirmé par le Twitter américain et pas le Twitter euro, pas pour le moment du coup. Et regardez la traduction tout directement. Merci pour votre patience et votre soutien pendant que nous continuons à développer de Strongest Hero. Il y a plus de contenu en route et on commencera par le retour au jeu le plus demandé. Nous espérons que vous resterez à l'écoute pour plus de choses à l'avenir. Plus ultra. Ok. Du coup, comme voilà, back to school, teacher incoming, All Might qui revient, nice. Maintenant, avant toute chose, ils ont dit, il y a un gars, il a demandé, est-ce que quelque chose l'accompagne ou juste, ça sera la seule mise à jour sur ces 2 semaines à venir? Ils ont répondu de cette manière-là. Ça veut dire que demain, il est fort probable qu'on ait un événement dans le style qu'on a eu il y a 1 ou 2 semaines où on nous a fait gagner un peu plus de 900 Hero Coin. Et ça sera un bon point, même si c'est pas assez, ça sera déjà un bon début pour le jeu. Peut-être que par la suite, ils vont rajouter du contenu. Dans le sens où il y aura plus de mode solo, un événement qui pourrait nous faire gagner des ressources pour l'amélioration des personnages, etc. Maintenant, ce que il est important de poser là-dessus, ça reste une bonne unité. Je joue encore personnellement et il me carry de temps en temps dans les événements, enfin dans les modes de jeu coopératif. Et que ça reste quand même une bonne unité. Il est quand même dans le top, on va dire maintenant, il est dans le top 3, top 4 des meilleurs persos. Mais pour ma part, ce n'est que mon opinion personnelle. Je n'invoquerai pas sur lui parce que il est vraiment dur de se faire des Hero Coins en sachant que derrière, ils vont sortir des unités largement plus fortes que d'ici 1 mois ou 2. Il pourrait sortir du top 4, top 5, et je préfère largement économiser sur des meilleures, voire des plus grosses unités que All Might. Du coup, on termine sur ça, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. Si au cas où il y a une plus grosse nouvelle, je vous dirai ça dans d'autres vidéos, bien sûr. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, ciao et à la prochaine. Prenez bien soin de vous tout le monde.